plaisir d'être ici. C'est toujours un privilège pour moi quand les gens m'invitent pour que je partage avec eux mon petit savoir. Et je vous remercie d'être là. C'est bon pour l'estime de soi. Et je n'ai pas choisi estime de soi par instinct, mais il y a quelques années, quand mes enfants commençaient à aller à l'école, on était quelques parents qui suivions des cours sur l'estime de soi et sur comment élever nos enfants, comment les aimer, etc. Et quand on arrivait dans ces cours-là, les gens qui donnaient le cours nous demandaient ce qu'on vient de vous demander et nous disaient, vous savez, les gens qui ont besoin de cette intervention-là après-midi ne sont pas ici. Si vous êtes déjà convaincus, ça va être bien trop facile pour nous autres. Et c'est un défi qu'on a au Québec quand on parle de santé des sols, quand on parle de conservation des sols. Bien, quant au 25 février, on a ça et qu'on vient ici et qu'on se rend compte que le blé a déjà 10-15 cm de haut. C'est deux histoires complètement différentes. Et pourtant, c'est le même souci. On veut aussi faire de la santé des sols. Alors, je vous présente mon chez-moi. Et je tiens à vous souligner, si vous regardez la photo du milieu, ben on voit que je fais quand même mes profils de sol, même en hiver. Donc, je voulais vous parler cet après-midi de notre première fois. Est-ce que vous vous rappelez votre première fois? Mais il y a quelqu'un en avant qui me dit qu'il veut vraiment qu'on précise quoi. Je suppose qu'il est assis à côté de sa femme. Il y en a d'autres qui étaient plus seuls et qui étaient comme des grands « oui, oui, je me rappelle ma première fois ». Alors, c'est ce que je veux faire cet après-midi. Donc, je voulais vous parler de ma première fois. Et donc, c'est le thème de cet après-midi avec vous. Et je voulais vous parler de mon premier emploi. Mon premier emploi à vie, j'avais 16 ans et j'ai été engagée dans cette usine-là. Cette usine-là fait des tuyaux de tôle ondulée, galvanisée. Et mon contrat cet été-là, je travaillais de 5 heures le soir à 5 heures le matin. Je faisais 44 000 de ces tuyaux-là, sans arrêt. Il fallait pas, j'avais pas l'été pour les faire. Je faisais ça, dans une nuit, on sortait 44 000. Alors, on était très... Non, c'est 44 000 par semaine. Une semaine, on m'a donné ces petits ventilateurs-là à faire. J'ai eu une petite pause et on travaillait là-dessus. C'était une machine extrêmement dangereuse. Il fallait être très prévoyant. Quand j'ai eu fini mon été... Ce fut ma première vraie leçon de vie. J'ai pris tout l'argent que j'ai gagné cet été-là et je l'ai dépensé dans 10 minutes. Je savais pourquoi je travaillais, j'ai su comment, je connaissais très bien comment faire des tuyaux. Le temps a passé tout l'été, mais j'ai compris que si je n'ai pas de plaisir, les choses perdent vraiment de la valeur. Et ma mère était bien découragée de voir la capacité avec laquelle je pouvais dépenser de l'argent. C'est ma première leçon de travail. Ma première remise en question professionnelle. J'ai un diplôme au Québec, on a un diplôme d'ingénieur, c'est comme les ingénieurs civils mécaniques. Le mien, c'est un diplôme en génie agricole. J'ai une maîtrise en génie agricole et ma spécialité, c'est les structures de bâtiments. Alors, tout le début de ma carrière, j'étais le genre de personne qui se promenait avec le menton très élevé et je regarde les structures de bâtiments et ça me passionne. Et finalement, je décroche un emploi au ministère de l'Agriculture et quand j'arrive le matin, on m'a engagée comme ingénieure en structures de bâtiments, mais quand j'arrive à mon emploi, mon patron me dit, on n'a pas besoin d'ingénieurs à bâtiment. Vous savez comment sont les gouvernements. Mais on ne pouvait pas engager personne d'autre qu'un ingénieur à bâtiment. Donc, on a engagé un ingénieur en bâtiment. Mais on n'en a pas besoin. Et
toi, je veux que tu t'occupes de la conservation des sols. Et à l'intérieur de 10 minutes, ma première remise en question professionnelle, je suis passée des bâtiments au sol, à la problématique d'érosion. Mon patron me dit un lundi matin, on a des problèmes majeurs en érosion hydrique, il faut corriger la situation. Et mercredi, tu as une conférence à donner sur les phénomènes d'érosion hydrique et les moyens de les corriger. Je suis une très vieille personne. Au moment où mon patron m'a dit ça, à cette époque-là, Internet n'existe pas. À cette époque-là, Internet s'appelle une bibliothèque. Et PowerPoint n'existe pas non plus. Ça s'appelle des acétates. Alors, en 2 jours, je suis devenue une spécialiste en érosion hydrique en courant à la bibliothèque. Et on a réfléchi rapidement pour se rendre compte que pour corriger la problématique d'érosion hydrique, pour corriger ce phénomène de surface, bien, il fallait couvrir nos sols. Et on s'est mis à faire toutes sortes de projets en semi-direct. Ces résidus-là, je les appelle mon armure pour protéger le sol contre l'érosion. Et on s'est mis à travailler dans des situations. On a fait du semi-direct. On avait la machinerie. On n'avait pas de problème technique. Et on s'est mis à faire toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de réflexions. Ça marche, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on est rendu. Et là, j'ai eu ma première vraie rencontre avec les vers de terre. Avez-vous déjà rencontré vos vers de terre? Vous les avez nommés? Et on sait aussi aujourd'hui que pour chaque année cycle que je vois, il y a entre 25 et 30 endogés et épigés. Alors, 12 cabanes au mètre carré, ça me fait combien d'années cycles à l'hectare? $120,000 fois 25 à 30, je suis rendue à combien de vers à l'hectare? Je suis rendue à tout près de 3 à 4 millions de vers de terre dans 2 champs comme ça. Et c'est devenu un indice que quelque chose se passe bien dans nos champs. Quand on voit une cabane maintenant, quand on y repousse les résidus, bien, on voit le trou du vers de terre qui est installé. Combien de temps dure un tunnel de vers de terre? Les anéciques creusent des tunnels verticaux qui vont se rendre jusqu'à la nappe phréatique ou au roc, le premier étant venu, et ils vont vivre dans ce tunnel-là toute leur vie. Chez nous, au Québec, on estime qu'ils vivent 7, 8, 9 ans. Plus il fait chaud, moins il y a épais de neige l'hiver, plus la survie est longue. Mais le tunnel, il reste combien de temps dans le sol? Bien, jusqu'à 30 ans. Il y a un chercheur aux États-Unis qui a compté combien de temps un tunnel pouvait rester. Il les marquait et à chaque année, il allait vérifier la solidité du tunnel. Et il a arrêté à 30 ans. Savez-vous pourquoi? Il est mort. Et personne n'a pris la relève. Donc, on peut avec certitude parler que ces tunnels de vers de terre-là ont une persistance dans le temps qui va au-delà de leur vie. Et tout d'un coup, on s'est mis à réaliser que faire du semi-direct, là, reportez-vous à une époque de dinosaures, si vous voulez, mais faire du semi-direct, alors que techniquement c'était facile, bien, il fallait rencontrer nos sols, il fallait savoir ce qui se passait. Et ici, vous voyez bien le maïs, vous voyez bien les résidus, mais ces résidus-là, il y a quelqu'un qui les gère à la surface et vous voyez les cabanes de vers de terre qui se sont formées. On est rendu au 12 juin et au 23 juin, il y a déjà plus de résidus au sol. Donc, un des facteurs clés d'un succès de semi-direct, c'est d'avoir déjà cette population qui était capable de gérer les résidus qu'on laissait à la surface du sol. Ensuite est venue ma première rencontre avec Frédéric Thomas. Connaissez-vous Frédéric Thomas? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on en parle?
parce qu'il me semble que vous ne savez peut-être pas tout de Frédéric Thomas. Mais en fait, à ma première rencontre avec Frédéric Thomas, c'était pour me rendre compte que ce n'était pas ma première rencontre, mais c'était ma deuxième rencontre. On va laisser ça là. Mais avec Frédéric Thomas, on a développé une complicité, une amitié et tout ça autour des vers de terre. Et c'est là aussi qu'est venue ma première rencontre avec le sol. Lequel vous voulez pour planter, pour semer, pour faire de l'agriculture? À gauche ou à droite? Qui veut à droite? Qui veut à gauche? Pourquoi vous voulez à droite? Parce que tout d'un coup, vous vous êtes mis dans la peau d'une plante. Vous vous êtes dit, si je veux pousser, j'ai besoin d'aération, j'ai besoin d'espace. Ici, on a quelqu'un qui a pris à gauche. C'est un constructeur de maison. Alors, dépendant de ce qu'on veut faire, on va aller choisir différentes caractéristiques. Et pourtant, ces deux échantillons de sol-là ont été pris à peu près 50 cm un de l'autre. Et si on prend l'analyse chimique traditionnelle, ces deux sols-là vont avoir exactement la même analyse. Donc, il faut aller plus loin dans notre connaissance des sols pour aller chercher les caractéristiques vraiment vivantes de notre sol. Et c'est là que la première rencontre s'est vraiment faite. On a un sol vivant, un sol endommagé. Et quand on fait différents tests facilement, vous connaissez le test de stabilité structurale? Oui? Qui la connaît? Qui l'a fait chez lui? Ah, on voit moins de mains. Et pourtant, c'est facile à faire. On voit ici un sol en mauvais état et vous voyez tout de suite la différence. C'est intéressant d'aller à la rencontre de son sol. Vous connaissez les simulateurs de pluie? Oui. Vous l'avez déjà vu fonctionner? Non. Désolée. Vous viendrez me voir après, je vous le montrerai. Mais le résultat du simulateur de pluie, c'est l'érosion qu'on recueille. Et dans le pot en arrière, c'est l'infiltration. Et on se rend compte rapidement, vous pouvez voir ici que l'érosion, on voit toute l'eau qui est érodée. Et dans un sol à nu, 70 à 75 de l'eau de pluie, on la perd par érosion. Et le pot en arrière, c'est l'infiltration. Et on peut voir très bien dans ce cas-là qu'il n'y a aucune infiltration. Par contre, à côté, il n'y a aucune érosion. Et il y a une infiltration. Et vous pouvez voir aussi que la qualité de l'infiltration, l'eau est très claire. Et ça aussi, ça fait partie de connaître ses sols. On a un sol qui n'a que des résidus. Vous voyez que l'eau d'infiltration est foncée. Donc, ce n'est pas tout de faire en sorte de diminuer l'érosion de surface. Il faut aussi améliorer l'infiltration de notre profil de sol pour que l'eau s'infiltre sans traîner avec elle des particules de sol. Et c'est là qu'on commence à parler d'écologie du sol. Donc, dans un sol en santé, 95 % de la matière du volume du sol va être composé de matière minérale, d'eau et d'air, ce qui laisse 5 % de matière organique. Et dans ce 5 % de matière organique-là, je retrouve le 5 % des organismes vivants. Et de la biomasse totale des organismes vivants, les vers de terre ne comptent que pour 22 % de cette biomasse-là. Alors, vous vous rappelez tantôt combien de vers de terre j'avais dans mon champ? Bien, ces 3 à 4 millions-là, il y a 4 fois leur poids en micro-organismes. Et là, on commence à parler d'un sol en santé. Ce sont ces micro-organismes-là qui sont responsables du fonctionnement optimal de nos sols. Et dans une poignée de sol comme ça, je peux avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries. À 3, 4, 5 poignées de sol, on arrive avec notre population mondiale. Mais on l'a dans nos mains. Alors, c'est intéressant de travailler. Quand notre sol est en très bonne santé, si je prends toute cette biomasse-là, elle peut équivaloir à 10 unités animales à l'hectare. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des animaux ici?
Est-ce que vous avez pensé passer une journée sans nourrir vos animaux? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à passer une heure sans nourrir un ado? Quand est-ce que vous avez nourri votre chaîne alimentaire? Quand est-ce que vos préoccupations vous mènent littéralement à penser à nourrir cette chaîne alimentaire? Et cette chaîne alimentaire-là, ben c'est mon armée. Vous connaissez les Gaulois? Je pense qu'il faut trouver un nom. Ça nous prend un agronomics. Quand on commence à penser santé des sols, et c'est le grand défi qu'on a en agriculture actuellement, c'est qu'on part d'une situation pour se rendre à une autre situation. Des sols en très grande santé, c'est l'équivalent de se dire que demain matin, on veut courir un marathon. Combien d'entre nous sommes capables de courir un marathon demain? Eh bien, peut-être lui, il dort. Mais si on s'entraîne, dans 2 ans, je vous garantis qu'on est tous capables de courir un marathon. On n'arrivera pas tous en même temps à la ligne d'arrivée. On n'a pas tous le même potentiel athlétique. Mais on est tous capables de courir un marathon. Et c'est exactement le cas quand on parle de sol. Tous nos sols sont capables d'une extrêmement grande santé. Il s'agit de mettre en place les stratégies, d'y aller avec le bon temps, de prendre le temps et on va améliorer et ça ne va qu'aller à s'améliorer. Et c'est là qu'est arrivée ma première rencontre avec les cultures de couverture. Et là, on commence à attraper notre cycle complet. On a protégé le sol et avec les racines qui vont permettre une pérennité de vie dans le sol à l'année, on est arrivé à des systèmes qui sont intéressants. Les premières cultures de couverture que nous, on a commencé à travailler, c'était le fameux radis. Chez nous, c'est le tillage radish. Ici, vous avez trouvé un nom très français, structurator. Maintenant, vous l'appelez chinois. Mais c'était une plante qui était extraordinaire et qui nous donnait l'impression parce qu'elle était tellement costaude qu'elle était pour arriver à décompacter nos sols. On est allé plus loin, on a compris qu'il fallait aller ailleurs, qu'il fallait aller avec des mélanges, mais maintenant, il faut aller encore plus loin que les mélanges, en tout cas à mon avis, il faut réinventer l'architecture de notre agriculture. Il faut penser différemment. Il ne faut pas juste faire une continuité, il faut mélanger les choses. C'est un exemple ici du pourquoi on fait les choses. Un producteur agricole qui voulait avoir une bonne biomasse en intercalaire, elle n'est pas là actuellement, mais il a fallu faire des essais pour dire quand est-ce qu'il est le meilleur moment pour semer. Et on a eu cette biomasse-là en intercalaire dans le maïs. La question étant, est-ce que ça a endommagé les rendements? Ben non, on n'a pas endommagé les rendements parce que l'architecture qu'on avait choisie, c'était de semer en 3 rangs et non pas d'y aller à la volée. Et rapidement, on a ces exemples-là qui commencent. Vous avez vu la neige qu'on a chez nous en ce moment? Ben normalement, en janvier, on a un redoux et toute cette neige-là fond. Et après ça, on repart sur l'hiver. Donc, j'ai des gels qui sont importants. C'est une problématique dans notre blé d'hiver. Ce producteur-là sème du lin après ses cultures de conserverie. Puis, en ce moment, il est en train de semer le blé dans le lin. Et on voit l'effet des petits brise-vents pendant l'hiver. On voit l'impact au printemps. Et c'est ça, changer l'architecture. Ça devient quelque chose qui est beau. Ça ne l'était pas. Ça reste encore problématique pour plusieurs personnes. Et quand on arrive à la récolte, bien, on a des champs qui sont parfaitement uniformes. Du blé d'hiver, moitié de champ, on a gardé une moitié où est-ce qu'on a planté du soya. On a récolté le blé, le soya a poussé. Au moment de la récolte de blé, on a semé du seigle d'hiver. Quand le soya est récolté, mon champ est déjà en production de racines. C'est pour ça que je parle d'architecture.
Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on aimait avoir les choses en rang. On aime avoir les choses bien carrées, bien organisées. Et là, tout d'un coup, on mélange tout ça ensemble et ça fait quelque chose qui est extraordinaire. C'est une expérience qu'on est en train de faire, c'est la deuxième année seulement, mais on a déjà des résultats très intéressants. Qu'est-ce que vous voyez ici? Du maïs? Vous connaissez ça, le maïs? Et là, ce producteur-là sème deux rangs sur trois. Donc, l'espacement entre deux rangs est de 75 cm, et puis il y a un espacement de 150 cm, et puis un espacement. Donc, deux rangs sur trois. Il maintient la même population de maïs sur deux rangs, il garde le même rendement, mais en faisant comme ça, ça lui permet, vous voyez une photo un peu plus aérienne, il y a une portion de son champ qu'on est à l'essai, une portion qui est conventionnelle. Mais ce que ça permet, c'est que où il y a 150 cm, la croissance de mes cultures de couverture est beaucoup plus importante. Le maïs a beaucoup plus de plaisir à pousser que où il n'y a que 75 cm. Et je n'ai pas de perte de rendement de maïs. Alors, vous allez me dire, pourquoi on ferait ça? Là, c'est cute, là, l'architecture puis les belles photos. La culture qui bénéficie le plus de cet exercice-là, c'est le soya qui suit le maïs, parce que le soya, sur un retour d'une biomasse très importante, va chercher beaucoup d'avantages. Et là, on vient de changer encore une fois notre regard. On n'est plus sur une technologie parallèle et constante, on est dans quelque chose qui est complètement différent. Ce sol-là, quand j'ai commencé à travailler avec ce producteur-là, il était jaune comme la base de ce sol-là. Et en dedans de 8 ans, on a réussi à changer le profil. Je voulais juste vous partager les trois bases de la santé des sols. Si vous avez des notes à prendre, je pense que c'est ces trois bases-là. Alors, la première base, c'est couvrir et nourrir tout le temps. La deuxième, c'est... La troisième, c'est... Si vous vous rappelez de ça, quand les choses vont aller mal, quand les voisins vont avoir un tout petit rictus bizarre, rappelez-vous des trois bases de la santé des sols, ça nous prend des résidus en surface et partout dans le profil. Il faut réinventer nos rotations, il faut éliminer le travail du sol. Et l'indispensable réseautage. Maintenant, avec toutes les plateformes possibles électroniques, il n'y a pas raison de ne pas avoir un réseau dynamique autour de soi, autant en termes de producteurs, autant en termes de vulgarisateurs, autant en termes de chercheurs. Il n'y a rien d'aussi intéressant que ce réseautage-là. C'est dynamique et ça nous fait avancer socialement beaucoup. Il me reste combien de secondes? 14 secondes? Non, c'est bon. Je veux juste vous laisser sur cette petite chose-là. Il faut regarder les choses sous un angle différent. Combien d'entre vous faites du parachute? Personne. C'est rare. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive qu'il n'y a personne qui a fait de parachute. Je vous présente mon fils, Frédéric. C'est ses pattes. Frédéric a 16 ans. C'est un garçon extraordinaire. Vous auriez un plaisir immense à le rencontrer. Frédéric va devenir producteur agricole. Il a étudié en agriculture. Quand il a décidé d'étudier en agriculture et qu'il est arrivé chez nous en disant « Maman, je vais être producteur agricole, peux-tu m'aider? » Je lui ai dit « Trouve-toi donc une fille que son père est producteur agricole. » Je pense que c'est ça la meilleure aide qui va arriver. 2 mois plus tard, il me présente sa copine, dont le père est producteur laitier. Mais il a cette tête-là d'agriculture et c'est un vrai défi parce qu'à chaque fois qu'il rencontre un producteur agricole, à chaque fois qu'il parle avec son beau-père, il dit toujours « Ma mère dit qu'il faut faire ça. »
C'est que là, j'ai vraiment les pieds bien pris dans la réalité agricole. Mais vers 16 ans, c'était un enfant qui s'en allait tout droit vers « j'aime pas l'école, j'étudierai pas, il n'y a rien de bon dans la vie, tout est plate ». Et un bon matin, il rencontre quelqu'un qui lui fait faire un saut en parachute et sa vie a changé ce matin-là. Et moi aussi, pour la première fois, j'ai douté de mes capacités de parent parce que, pensez-y une seconde, là, quel genre de mère laisse son fils sauter à 5000 mètres d'altitude? Il a bien fallu que je le signe, le papier. J'avais bien peur que la direction de la protection de la jeunesse débarque chez nous puis m'enlève mes 4 enfants. Et depuis ce temps-là, il a sauté, il saute toujours, il a au-dessus de 1000 sauts à son actif, et maintenant, il saute avec les gens en tandem, et il me rapporte ces photos-là. Et moi, quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, ouf, quand est-ce qu'on prend du recul sur ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on prend le temps de sauter en parachute et voir vraiment l'impact qu'on a sur notre terre? Et c'est pour ça que je vous souhaite à tous de faire un saut en parachute. Et des photos de drones, ça ne compte pas. Vous connaissez le fear of missing out? La peur de manquer quelque chose? C'est quelque chose qui, c'est un phénomène relativement nouveau et qui est entièrement relié à nos cellulaires. C'est besoin d'être au courant de tout instantanément. Instantanément. On prend des vacances maintenant, il y a des zones où est-ce que vous payez pour qu'ils vous enlèvent votre cellulaire. On n'est même plus capable de s'en passer soi-même. Et cette peur de manquer quelque chose, elle est très présente. On la voit ici. Et c'est pas que ces gens-là sont extraordinaires, on a besoin de cette technologie-là. Mais souvent, ils nous vendent de l'espoir, ils nous vendent du rêve, ils nous vendent toutes sortes de trucs qui nous garantissent un meilleur rendement. Alors que pour s'en sortir, ben pour moi, il faut connaître, il faut apprendre, il faut comprendre et il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Quand on parle, quand on met la santé des sols au cœur de nos préoccupations, ben il faut absolument se faire confiance, ça marche, mais n'ayez pas peur de prendre le temps et de continuer votre démarche. Je vous remercie infiniment.